Très chers cadres du parti UDPS, Fédération Afrique Australe, nous vous saluons. Je suis Emmanuel Cabana, chargé de la cellule de communication et de médias. Je viens par la présente vous annoncer une nouvelle qui sera bonne et qui est bonne pour nous tous. La dynamique du parti UDPS en Afrique du Sud s'est résolue avec sa jeunesse de travailler avec le cadre de fédéraux selon l'historique du parti de l'Afrique du Sud, d'une fondation solide qui nous a été laissée par le feu Dr Étienne Tshisekedi, héros national, paix à son âme, dont par son étrichement nous avons aujourd'hui à la tête du pays un fils du pays du nom de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, que l'UDPS a donné et a présenté au peuple, dont le slogan est le peuple d'abord. Nous ne sommes pas là pour nous servir, mais pour servir ce peuple. Partout où l'UDPS se trouve, nous nous sommes donc résolus avec la jeunesse, car la jeunesse, c'est l'avenir du lendemain. De retenir les noms ci-après de cadres de la fédération de l'UDPS, qui sont le docteur Moulema, M. Papi Mpania, M. Willy Chilenge et les autres que nous n'avons pas cités. Nous annonçons donc à tout le monde et nous remercions tout le monde qui ont participé de redynamiser le parti qui est entré dans une léthargie vers les années 2014 jusqu'en 2019 pendant les élections. Nous remercions tout le monde sans citer le nom. Mais nous venons ici pour dire que ce message est un message fort qui vient de la jeunesse. C'est un message d'unité, d'amour, un message de paix, un message qui nous demande tous de s'unir et d'être derrière un seul homme. Nous allons tous travailler derrière le docteur Moulema afin que le parti marche selon la hiérarchie et selon l'ordre fédéral qui nous a été laissé. Nous devons donc présenter à Kinshasa, au secrétaire général Augustin Kabuya, l'organigramme de notre parti selon le statut du parti UDPS. Nous le ferons et nous allons le faire, nous nous sommes tous résolus. Nous avons parlé aux différentes sections, aux différents membres de la jeunesse, et nous vous demandons de soutenir et d'être tous derrière, dans l'amour et l'unité, le docteur Moulema, qui va présider la fédération de l'UDPS Afrique du Sud et qui sera même responsable de la fédération de l'UDPS Afrique australe. Nous savons que ceci ne sera pas une tâche facile. Il sera donc entouré d'un comité de tout le monde, de la dynamique de ceux qui ont travaillé, de dur labeur. Nous allons travailler pour que ce parti soit encore mieux, plus fort, vibrant, afin que nous puissions encore donner à notre président un second mandat. Nous vous remercions, nous remercions notre Dieu de nous avoir donné notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive l'UDPS et vive la Fédération de l'Afrique du Sud, Afrique australe. Je vous remercie.